monde, c'est Pikami. J'espère que vous êtes en super forme et que vous êtes prêts pour ce nouveau quiz challenge. Car oui, ça fait déjà plus d'un mois, je crois, que je n'en avais pas fait. Et j'essaie d'en faire un toutes les deux semaines. Donc, pour me faire pardonner, je vous ouvre aujourd'hui un booster dragon exalté sous blister. Donc, c'est déjà un booster qui est super rare hors de son blister. Mais sous blister, il vaut encore bien plus cher. Mais enfin, voilà, c'est pour vous, c'est pour moi. J'espère qu'on aura enfin une bonne pioche. Car, je vous le rappelle, on n'a toujours pas eu d'ultra rare dans une vidéo quiz challenge. J'espère que ça va changer aujourd'hui et je vais déguster des têtes brûlées, enfin si jamais je perds parce que je pourrais aussi deviner toutes les cartes. Je vais aussi déguster des têtes brûlées goût citron. Alors personnellement, le citron quand je le bois comme ça, ça me fait rien, mais sous forme de bonbons, c'est absolument horrible, c'est trop acide, j'aime pas parce qu'avec ceci, il y a ce petit goût chimique qui accentue encore l'acidité, donc c'est juste horrible. Et après, j'ai une petite surprise pour la dernière carte si je n'arrive pas à la deviner. Il y aura un petit verre, enfin un petit verre, un petit fond, on va dire, de vinaigre à boire. Oui, parce que j'avais envie d'accentuer un petit peu le truc. La dernière fois, j'avais quand même mangé du piment, de la purée de piment. Et regardez, je ne vous mens pas. Voilà, c'est bien du vinaigre maille. Je vais vous le montrer aussi ici. Que j'ai pris soigneusement à côté de moi. Ça m'évitera de faire une petite coupure. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Je vais pousser les têtes brûlées sur le côté. Et nous sommes partis. Donc je vais prendre le ciseau aussi. Hop là. J'avais pas pensé à le préparer. Donc je vous montre le blister qui est vraiment en soi magnifique. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même de l'ouvrir. J'ai choisi l'illustration du Léviator que j'aime beaucoup. C'est ma deuxième préférée après celle du Rayquaza. Et je vous montre le dos d'un blister dragon exalté. Parce que c'est pas tous les jours mine de rien qu'on voit ce genre de blister. Et dragon exalté qui commence à se faire très très rare. Donc... c'est parti, on respire un bon coup et on va s'ouvrir ça ensemble. Hop là! Je préfère les prendre sous blister parce qu'on a plus de chances d'avoir une ultra rare généralement. Et j'ai envie que ça change, j'ai envie d'avoir mon petit booster avec une ultra rare dedans. Ou même une holographique qui peut être très 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 jolie et que je n'ai pas. Dragon Exalté est une série que je n'ai pas du tout complétée. Je vous montre le dos du booster si jamais vous voulez lire. Et je le trouve magnifique ce booster. Allez, c'est parti, je vais essayer de le retourner pour pas regarder les premières cartes. Hop là! Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien de votre côté tout deviné. Bon, je l'ai déchiqueté complètement, c'est pas grave. Au moins, je n'ai rien vu. Je vous laisse le code. Voilà, c'est cadeau. Et ensuite, je vais cacher la première carte pour ne pas la voir. Le fameux 1, 2, 3, 1, 2. Et nous sommes prêts pour cette vidéo quiz challenge. Donc voyons voir, je vais relever un petit peu ça comme ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Oh, c'est toujours aussi galère de lire à travers la caméra. Alors il passe le plus clair de son temps affalé, rien qu'à le voir on a envie de bâiller. Ah et donc dans les communes ça doit être Parocool. Je crois pas qu'il y ait... non il y a Monaflemite et Parocool. Je crois pas qu'il y ait de Pokémon avant... non il n'y a pas de sous-évolution je ne pense pas. Je fais un petit zoom. Et c'est Parocool, ok. Donc finalement, je n'aurai rien à déguster pour cette fois. Voilà, excusez-moi, je galérais un petit peu sur le zoom aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ok, donc la première carte aura été devinée. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent absolument pas le concept, voilà, je pense que vous avez compris par vous-même. Ensuite, on a une carte de type ténèbres. Il est assez évolué pour chasser en meute et communiquer des séries de cris modulés. En meute? Là, je pense tout de suite à Mediena, du coup. Mais je ne sais pas du tout s'il est dans la série Dragon Exalté. Ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de booster. Je n'en sais rien. Mais en meute, je dirais uniquement Mediena, je pense. Non, c'est Malos. Ah, mais non, mais je pensais pas du tout à Malos. Et pourtant, si, dans Impulsion Turbo, on voit souvent des Molos. Donc, bon. Ok, je me suis fait avoir cette fois-ci. Je mets les cartes sur le côté. Et du coup, on va manger une tête brûlée qui s'appelle quoi? Goût citroïde méga acide. Enfin, méga acide. Donc la dernière fois, je crois que c'était hyper acide. Là, c'est méga acide. Entre hyper et méga, je sais pas vraiment lequel est le plus acide, finalement. Mais on m'a dit que ces têtes brûlées-là étaient les pires qui soient au niveau de l'acidité. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Hein. J'arrive même pas à sortir mon bonbon pour commencer, c'est cool. Eh non mais je rigole pas, il veut pas sortir. Voilà mon petit bonbon. Et nous allons voir ce que ça donne.
Ouais, j'avoue, c'est quand même beaucoup plus acide que toutes les têtes brûlées que j'ai pu manger jusqu'à présent. Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait une chirurgie esthétique là. Alors, j'adore le citron et d'habitude je le supporte très bien, mais là c'était tellement chimique. Je sais pas ce qu'ils ont rajouté avec pour accentuer l'acidité, mais en tout cas c'était carrément horrible et ça n'avait pas du tout le goût de citron. Enfin, un tout petit peu, mais bon, pas celui que je connais en tout cas. Nous allons continuer le reste, donc voyons voir. Malos, je n'avais pas deviné. Pourtant, Mediana, ça aurait pu être ça, hein. J'aurais pu trouver Mediana. Hein. Donc là, on a une carte de type psy. Fixe les Pokémon et les dresseurs du regard comme s'il avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu cette description quelque part. Je sais pas si c'était dans un quiz challenge, mais je sais que j'ai déjà lu cette description et donc le nom du Pokémon. Oh, mais là, je me souviens pas. Fixe les Pokémon et les dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Non, je me rappelle pas du tout. Je dirais quand même Scrutella, même si je pense pas du tout qu'elle soit dans Dragon Exalté. C'est une commune toujours? Ouais, je dirais Scrutella du coup. Ouais, génial, je m'en suis rappelée, super. Je sais plus si je l'ai vu sur internet, la définition. Ou si, enfin la définition du Pokédex, ou si c'était dans un quiz challenge. En tout cas, j'ai bien deviné, c'est cool. Ensuite, une carte de type combat. Il se déplace en tournoyant sur son pied. Ce Pokémon rare fut découvert dans des vieilles ruines. En tournoyant sur son pied? Je sais pas si c'est Kikli, ou genre Débugant, ou Capoeira, mais Capoeira c'est sur sa tête, donc ça c'est pas possible. J'ai quand même envie de dire Kikli. Parce que pied, ça me fait plus penser à Kikli que Débugant ou ce genre de choses. C'est toujours une commune? Ah, j'ai trop peur. Bon, je vais quand même dire Kikli. Oh, mais what? Effectivement, j'ai pas du tout pensé à Belvito. Non, mais j'ai pas du tout pensé à lui. Oh non, mais pff, la catastrophe. Je suis trop dégoûtée. Vous savez quoi, je suis dégoûtée. J'ai les petits yeux d'asiatique. C'est rigolo. C'est marrant comment le visage il change à chaque fois. Ok, donc à partir de maintenant, je déteste Balbuto. Je vais reprendre mes cartes. C'est parti. Donc Balbuto, j'ai pas deviné. Ça fait quand même déjà deux cartes que j'ai pas deviné. Ça craint. Ça craint fortement. Là, c'est vraiment, 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 faut que je me reprenne. Alors, ensuite. Il dérive avec le vent, sa présence, ouais, c'est ça, en ombre dans les champs, et les montagnes annoncent le printemps. Il dérive avec le vent, sa présence en ombre... je ne vois pas du tout, mais alors là, pas du tout. Toujours en commune. Il dérive avec le vent, annonce le printemps... J'aurais dit un truc comme série Flore, je sais pas du tout pourquoi. 2012 hein, quand même la série, hein. 2012. Fléau bougeant, d'accord. Je veux dire Sériflore. Granivole, ok, c'est trop nul. C'est trop nul. Pourtant, effectivement... Oh, non, je me suis spoilée. Je me suis spoilée. J'ai vu un truc. Je pense qu'on... Enfin, peut-être que en fait, j'hallucine, mais je pense qu'on peut peut-être avoir notre première ultra rare dans un quiz challenge. Enfin! En fait, le plus horrible, je vais vous montrer, c'est quand même... L'espèce de produit qui est autour, l'espèce de farine qui est autour, l'espèce de talc blanc en fait. Oui, je sais, ça donne envie de le manger après ce que je dis. Mais ça c'est vraiment horrible quoi pour l'acidité. Je sais pas si vous avez entendu les pompiers passer, mais ça veut certainement dire que c'est pour moi. J'ai tellement la langue irritée, j'ai l'impression qu'on me l'a frottée, mais bien bien fort avec une brosse à dents, c'est horrible. Donc on enchaîne, ensuite qu'est-ce qu'on a après le Granivole qui ne m'a pas du tout aidé? Eh bien c'est encore une carte de type plante ou même insecte. Et cette fois-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Il fleurit lorsque les températures remontent, il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil. Mais non, je ne sais toujours pas. Je vais péter un câble si je dois encore manger une tête brûlée. Il fleurit lorsque les températures remontent. Oui, bon, ça, jusque-là, c'est logique, c'est une fleur. Il flotte dans le ciel pour absorber les rayons du soleil. Ben, je pense que... Ah oui, ça doit être ça.
Enfin, vous, vous êtes pas dans ma tête, mais... Enfin, je sais pas. Flora Ball? Ouais, cool! Flora Ball, je me suis dit, ça doit être justement l'évolution de Granivol, donc ça doit être forcément Flora Ball. Ça, c'est cool! Ok, pas de tête brûlée. Après, qu'est-ce qu'on a? Toujours dans les peaux communes, une carte de type aquatique. Alors, il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. Il fait souvent tourner des objets sur son museau. Le seul animal que je pourrais comparer dans l'univers Pokémon qui ferait tournoyer des objets sur son museau, ce serait une otarie. Mais j'ai pas trop envie de dire otaria, je le vois pas dans cette série-là. Peut-être pas otaria ou même lamantine, peut-être. Et sinon, j'aurais bien envie de dire. Parce que je crois qu'il est dans cette série-là, j'ai envie de dire Mustéboué. Pourquoi pas un Mustéboué? Allez, on va dire Mustéboué, parce que lamantine, je le vois pas du tout dans la série. Fogglore! Mais non! Mais pourquoi? Mais non! Mais je refuse! Je veux pas là, je veux pas! Je vais le manger. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les pompiers qui arrivent. Je crois que justement c'est pour ma langue. Ils viennent me sauver. Oh là là, mais j'en pleure, c'est horrible. J'en peux plus. J'ai l'impression qu'il y a un trou au milieu de ma langue. Clairement, c'est ça. Bon, alors, on va continuer. Merci, Fogler. Franchement, c'est cool de ta part. Alors, on a un Pokémon de type acier. Donc, il creuse des galeries dans les montagnes. Les tunnels des Fermites sont de vrais labyrinthes. Eh bien, voilà, Fermite. J'hésitais, effectivement, jusqu'à ce que je lise le nom du Pokémon. Je n'aurais pas deviné ce truc-là. Donc, c'est cool. Donc, c'est Fermite. Chouette! Bon là d'accord, c'est un peu facile, je l'admets. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, déjà la reverse. Déjà la reverse. Donc la reverse, elle nous dit quoi? Donc déjà, c'est une carte de type électrique. Chouette, j'adore ce type-là. Et je vous rappelle les consignes du Quiz Challenge, c'est-à-dire que si je ne devine pas la carte reverse et la carte holographique ultra rare ou rare, eh bien, je dois prendre double dose de ce que je mangeais actuellement, c'est-à-dire deux têtes brûlées au lieu d'une. Alors, il vit au sommet des arbres de la forêt. Il plane en déchargeant l'électricité de ses membranes semblables à une cape. Quoi? J'ai rien compris. Une cape? Il vit au sommet des arbres de la forêt, d'accord? Il plane en déchargeant l'électricité et ses membranes semblables à une cape. Ses membranes. Oui, les membres, quoi, d'accord, mais je vois rien du tout. Je vois aucun membre qui peut ressembler à une cape, sauf Scorplane, mais qui n'est pas de type électrique. Oh! Je crois que je sais, c'est quoi? C'est une peau commune, ce n'est pas une rare. Ah non, j'ai trop peur. Je crois que je sais, mais j'ai peur de me tromper pour l'évolution. Je dirais Megavolt. Ou alors Statitique. Mais Statitique, je le verrais plus en commune. C'est bizarre de former une cape en fait. Parce que Megavolt, il forme pas une cape, à moins que ce soit ses. Sinon, je pense à Scorplane, mais c'est pas un type électrique. Oui! Ah, voilà! Voilà, ça me vient que maintenant. J'ai pensé à Pikachu, Poséipi, Nigapi, donc je dirais Emolga. Je sais qu'il est dans cette série, j'en suis sûre et certaine. Je me rappelle très bien d'un Emolga dans cette série. Donc voyons voir si c'est ça, parce que effectivement, il plane en fait. Je me rappelle du Emolga de Iris, et je crois que c'est ça. Parce que du coup, je crois qu'il y a Iris Foulard dans cette série aussi. Je sais plus. Ah, donc voilà, ok, génial. Emolga en reverse, donc je n'aurai pas à manger double tête brûlée. Ça, c'est trop cool. Ah, mais de toute façon, j'ai un trou dans la langue. J'en peux plus, j'ai trop trop mal à la langue. Ça me brûle. Et donc, je pense qu'on aura notre toute première ultra. Oui, c'est trop bien. La toute première ultra de ce concept quiz challenge. Je crois que c'est la 10e session. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. C'est la numéro combien déjà? La 92 sur 124. Lorsqu'un Pokémon X est KO, ça monte, ça jusque-là, c'est normal. Donc c'est une carte de type dragon. Eh bien, dragon, dans Dragon Exalté, il n'y en a pas des masses, des masses. Il y a Rayquaza, d'accord, mais il y a Giratina. Oui, et je dirais ça, je pense que c'est ça. Donc déjà, on est d'accord, c'est pas une full art. Hein, ça se voit, déjà parce que c'est tout lisse. C'est pas rugueux comme les full art. Dans Dragon Exalté, je crois que c'est Giratina. Bon, on va arrêter de parler. En tout cas, je suis trop contente, ça fait la toute première ultra rare dans ce quiz challenge. Enfin, on l'aura attendu, c'est cool. Et donc, voyons voir si c'était Giratina ou pas. C'est Giratina X, trop bien, trop trop bien, elle est géniale cette carte.
Je suis super super contente. Je crois que je l'ai déjà en fait. Je crois que je l'ai déjà. J'avais vu l'ex et la foulard, donc il me semble que cette carte, je l'ai déjà. Donc il se pourrait bien que ce soit une double, mais franchement, c'est pas grave du tout, parce que si je devais ouvrir un booster aussi rare que Dragon Exalté, et surtout sous blister, c'est clair que j'aimerais bien avoir une petite ultra rare, hein, c'est assez sûr. Hein. Je mets la bonne carte en fond, je suis super contente. Enfin notre première ultra dans ce quiz challenge. J'espère que vous aurez apprécié cette ouverture quelque peu original, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui que je devrais boire le vinaigre, peut-être pour le prochain Quiz Challenge, ça pourrait être vraiment rigolo. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!